Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Alors le tutoriel d'aujourd'hui, ça va être l'administration de Linux, qui donc j'utilise en Debian là. Ça va être sur la version Debian sur le noyau Linux aujourd'hui. On va administrer les utilisateurs et les groupes. Bon, vous avez sur la chaîne un tutoriel vous montrant comment gérer les utilisateurs et des groupes sous Windows. Mais là aujourd'hui, on va voir ça avec du Linux. On aura tout ceci à voir au fur et à mesure. Donc le tutoriel là, il va durer un peu. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. À tout de suite. Ok, donc bon, on a dit que c'était ça qu'on allait faire aujourd'hui. Bon, moi, comme je vous ai dit, je vais utiliser un Debian 11, donc la dernière version de Debian. Si vous utilisez une version telle que Ubuntu ou Fedora ou CentOS, il faudra juste adapter les commandes pour que ça puisse bien fonctionner. Donc si vous utilisez du Debian, c'est encore mieux quoi. Voilà, bon, je vais créer un utilisateur, son mot de passe, modifier son mot de passe. Pas mal de choses, par exemple modifier son ID, modifier son shell aussi. Puis nous allons créer des groupes. Dans ce groupe, on va venir mettre l'utilisateur qu'on aura créé ou des utilisateurs créés, voir les utilisateurs du système et puis lister les contenus d'un groupe. Pas mal de choses. Donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît. On est parti. Donc je vais d'abord voir si la machine est disponible sur les réseaux avant, parce que ça ne sert à rien si la machine n'est pas disponible sur le réseau. Ok, la machine est disponible, c'est correct. Donc je peux lancer outil. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Je mets l'adresse IP de la machine, puisque c'est sur un Debian, vaut mieux que ça se passe sur le Debian. Je fais oui, c'est une session administrateur, donc oui, et je vais m'utiliser le compte SKT. Ah, ok. Puis je vais mettre les mots de passe pour ce compte. C'est bon. Le Debian est là pour aller voir pas mal de choses. Bon, je vais en profiter pour customiser un peu. Dans Poutine, donc là je vais dans l'apparence. Taille de texte, je vais mettre ça à 24. Fais OK. Et en termes de couleur, je vais venir utiliser ce couleur-là. Je fais apply. Là, je suis sûr que vous voyez mieux. Si je fais un clear, vous avez votre machine de bien qui est là. Faut savoir que la commande, c'est adduser ou user add, del user ou user del et user mode. Pour les groupes, c'est groupe mode et puis pas mal de choses. Maintenant, c'est en termes de ceci. Là, vous aurez besoin de la permission de route.
Donc, il faut identifier étant que autant. En faisant SU, moi je fais celui-là, ça va me placer dans le répertoire de votre mail mot de passe pour autant. Ok, PWD, vous voyez que c'est autant. Je fais un clear. Les fichiers contenant les utilisateurs sur Linux, c'est dans /etc /passwd. Là, on va voir la liste des utilisateurs sur le système. Donc, cette partie-là, la partie utilisateur. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Si je fais un ls, vous verrez que bon, ben ouais, nano, ok, nano x, ok, ça c'est le répertoire de route. Si je fais un ls moins l, ok, bon, ça c'est pas ce que nous allons faire, moins i, mais c'est juste pour voir certaines informations sur le système. Donc on fait un clear. Déjà, pour aller voir la liste des utilisateurs qui sont déjà créés, déjà sur le système, soit vous faites un cat pour lister, pour lire en fait un fichier. C'est un fichier que nous allons voir le contenu. C'est dans passwd. On va voir le contenu de passwd. Ou vous pouvez faire un nano aussi par défaut. Un nano où vous pouvez modifier certaines choses. Donc c'est un éditeur de texte. Mais je vais lire le fichier. Donc je ne vais pas vouloir le modifier. De toute façon, l'administration au niveau des droits, ça c'est après pour son autre tutoriel. Okay? Donc je vais faire un cat slash etc slash passwd. Ok. Cat plus loin slash etc slash passwd. Voilà, parce que vous faites entrer, vous avez les utilisateurs qui sont déjà dans le système en fait. Donc on a root, donc le root c'est l'utilisateur qui a tout le droit sur le système. Ok, vous avez des comptes par défaut. Que okay, ces comptes-là, ouais, ce sont des comptes du système. Ok, donc je vais pas. Par exemple, ceux-là, ce sont des comptes du système. Donc moi, je sais que les comptes que j'ai créés, lorsque vous les créerez, vous allez voir les identifiants, leur nom. Ces comptes-là, c'est moi qui les ai créés. À partir de là, jusqu'ici, tout ça, ce sont des comptes créés par moi sur le système. Ok? Après, les autres, c'est pour moi qui les ai créés, c'est déjà créé par défaut. Il faut savoir que un compte, parce que vous voyez le X devant, donc il y a son mot de passe, à propos du mot de passe, et ça c'est l'ID du compte, ok, et celui-là c'est l'ID du groupe que appartient cet utilisateur ou ce compte. Il faut savoir que lorsque vous créez un compte, par défaut Linux vous crée un groupe. En termes de groupe, vous avez les groupes primaires et les groupes secondaires. Nous allons voir les groupes tout à l'heure. Donc on reste dans les utilisateurs. Donc ça, c'est son répertoire home. Tech2, l'ID d'utilisateur. Et ça, c'est le shell qu'il utilise. Donc on va voir comment changer le shell aussi. Par exemple, le SH, ou là c'est du bash. ZSH. Vous avez pas mal d'autres shells. Par exemple, root. Root, c'est du bash. Par exemple, l'utilisateur TNT. Son shell c'est du bash. Donc du coup c'est comme ça pour lister la liste des utilisateurs du système. On aurait pu faire un nano aussi, par exemple si je fais un nano plus loin slash etc slash passwd comme ceci. Là c'est la même chose, mais sauf que ici vous avez la possibilité de bouger, modifier certaines choses. Pour l'instant, je ne vais pas venir modifier des trucs sur. Ok? Par exemple, il y a l'utilisateur Charlene Tech et
plein d'autres utilisateurs chaque un et tout. On va venir créer un utilisateur pour vous montrer comment créer un utilisateur, un compte en fait, un compte sur Linux. Ok, en l'occurrence, moi je vais le faire sur un Debian. Puis là, je fais un contrôle X pour quitter et je peux faire un clear par là. Ok. Alors, pour créer un utilisateur, la commande qui va nous permettre de le faire, c'est add user. Vous pouvez décider d'utiliser user add, tout dépend du système que vous utilisez. Donc, si vous utilisez du Ubuntu, donc je pense que user add va, voilà, donc vous mettez le nom de l'utilisateur. Ok, donc moi je vais créer l'utilisateur. Et vous créez le nom de l'utilisateur, vous faites entrer et vous dites que c'est pratiquement fait. Donc là, ajout de l'utilisateur Grégory. Voilà, déjà on a déjà l'ID du groupe de Grégory et ça doit être son ID, l'ID de l'utilisateur, parce que par défaut, lorsque vous créez un utilisateur Linux lui crée un groupe. Donc là, il nous demande de mettre un mot de passe pour cet utilisateur. Vous faites entrer et vous le confirmez. Là, vous voyez ce que ça vous dit que mot de passe updated successfully. Donc là, si on veut mettre des informations pour cet utilisateur, on peut par exemple le mettre ici. Ok, si vous ne voulez pas mettre information, vous suffit de cliquer sur entrée, ça va vous le faire par défaut. Donc moi dans le cadre je peux dire full name, donc on va mettre comme ceci. Et vous, tout dépend, bon, je vais vous mettre Charlene Tech, mais je vais mettre ceci. Une fois que c'est fini, vérifiez que tout est correct, voilà. Et home number, donc je vais mettre quelque chose comme ceci. Vous mettez quelque chose de workphone, donc je mets quelque chose pour le numéro de téléphone. Okay, ça c'est optionnel, hein. Vous pouvez entrer et téléphone de maison, je peux mettre quelque chose comme je peux mettre comme cela. Okay, ça c'est le numéro de téléphone de maison. Order, je peux dire que c'est un tech, c'est un technicien, donc je fais entrer. Donc là, il nous demande est-ce que cette information est-elle correcte. Donc, vous pouvez faire O pour oui ou bien N pour non. Dans ce cas, vous allez modifier et mettre la bonne information. Donc, moi, c'est bon. Je fais ceci. Ça, c'est bon. C'est comme ça pour créer un utilisateur sur Linux. En l'occurrence, moi, je le fais sur un Debian. Si je fais un clear pour effacer tout ceci, si je fais un clear. Ah bon, si Linux est sensible à la casse, il faut être en minuscule, sinon le client n'y passe pas. Et je fais un cat slash etc et slash passwd pour aller voir la liste des utilisateurs. Ok, passwd n'a pas fonctionné. Je veux savoir pourquoi. C'est quoi l'histoire? Aucun fichier. Oops. Là par contre, ça c'est du passwd. 4 et avoir dans etc, il y a une erreur, c'est pour ça. Sinon, c'est 4 plus loin slash etc comme ceci. Passe WD. Là, c'est bon. Là, vous regardez, voici l'utilisateur Grégory et son ID, l'ID du compte. Et c'est l'ID du groupe que cet utilisateur est. Ok, donc par défaut, Linux lui a créé le groupe Grégory. Le groupe primaire de Grégory, donc c'est le groupe primaire de Grégory même. Vous verrez tout à l'heure pour
Enlever du groupe, ça va être un peu compliqué parce qu'on peut pas enlever un groupe dans son groupe primaire. On va voir tout ça, c'est la suite du tutoriel. Ça, c'est les informations qu'on avait mis. Son nom, full name, son numéro de, voilà. Voilà, ça, c'est les informations que on lui a mis. Mais par contre, vous voyez son ID, qui est celui-là. Si on veut modifier cet ID, vous avez vu son ID qui est là. Donc, si je fais un user mode, avec la commande user mode, on peut faire pas mal de choses. Espace moins U. Je mets l'ID que je veux mettre pour cet utilisateur, hein, celui que je vais modifier. Donc, je vais rester dans ce lien-là pour ne pas. Voilà. Je mets ceci, puis je mets le nom de l'utilisateur. Vous. C'est autre chose. Donc, celui-là. Vous voyez que, après avoir rentré cette commande-là, en principe, qui est censé, à la place de 1013, on aura 1080. Le fichier cat slash etc slash pass wd, je réédite. Si je lis le fichier, parce que éditer, on peut pas modifier avec du cat. Vous voyez que là, c'est l'utilisateur en question, et ça, c'est l'ID qu'on lui a mis. Là, on veut modifier son ID si on veut, pour le fun. Ok, ça c'est la même chose. Donc là, si vous avez vu où est-ce que j'avais mis. Bon, là je vais effacer parce qu'il y a trop de. Tac, tac, ok. Donc là, c'était par là. Puis, il y en a pas mal de fichiers. Voilà, c'était par là. Vous avez vu que son ID était 1013. Or que là, on l'a modifié, ça nous a donné son ID, maintenant qui est de. C'est pour le fun. Il y a la possibilité de faire ça pour le groupe aussi, mais on va voir tout à l'heure. Donc je vais venir nettoyer ceci. Je vais créer un utilisateur pour aller vous montrer comment effacer un utilisateur si vous n'en voulez plus après la création ou la personne ne travaille plus dans. Si vous êtes dans une entreprise. Ben, la personne ne travaille plus, ben, vous supprimez son compte et ses fichiers et tout, puisqu'on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Bon, après, tout dépend des règles de l'entreprise, tout dépend ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Donc, c'était tout ça. Donc, on va dire add user. Puis, je vais mettre, qu'est-ce que j'aurais pu mettre pour. Déjà dans add user, on va ici par exemple Toto 1 Toto 1 Toto 1 Toto 1 Boum, Toto 1 est déjà créé, donc on va mettre Toto 2. Ok, où je vois ceci, voilà, Toto 2 n'est pas encore créé, donc on a déjà son ID, là on est en train de le créer, et l'ID de son groupe 1013. Bon, 1013 tout à l'heure, c'était pour un utilisateur Linux, oh, c'est une machine. C'est-à-dire que là, on a vu que 1013 appartenait à Grégory tout à l'heure, on y était, hein. Mais là, il lui a donné à un groupe, c'est faisable. Là, je dois mettre le mot de passe pour Toto 2, je dois confirmer le mot de passe pour Toto 2. Ça nous dit, voilà, passe WD, password. Updated successfully. Donc là, je veux pas mettre les informations puisque c'est un compte que je vais venir supprimer. Tout de suite après, je fais entrer, je fais entrer, je fais entrer. Là, il vous pose la question. Là, vous, non, vous faites tout ou pour oui. Et puis c'est bon. Si je fais un cat slash etc etc slash passe wd. Ici, vous verrez que TotoD est créé, voilà son ID et l'ID du groupe. Le groupe de TotoD est créé, son répertoire. Là, il a le shell de bash, tout comme le shell de root. Bon, ok, donc je vais venir supprimer cet utilisateur. Je vais faire un clear pour supprimer un utilisateur. Si vous en voulez plus,
c'est de l'usure. Ok, si vous êtes sous du contour, je ne sais pas, mais adaptez donc. Voyez si de l'usure fonctionne pour vous, ou bien sur usure d'elle. Ok, je mets le nom de l'utilisateur Toto 2. Voici, si vous faites entrer, ça va supprimer l'utilisateur, mais est-ce qu'il n'y a pas un espace de trou là? Ça va supprimer l'utilisateur. Non, c'est bon. Ça va laisser son répertoire. La bonne façon de supprimer l'utilisateur avec son répertoire, ok, c'est del user, toujours la commande del user, mais il y a des paramètres à venir mettre plus loin, tirer par exemple remove. Tirer home. Puis vous mettez le nom de l'utilisateur. Donc c'est Toto 2. Ça nous dit fait. Là, on cherche des fichiers sauvegardés à supprimer. Donc suppression des fichiers, suppression de l'utilisateur Toto 2. Donc là, on est sûr que son répertoire est fiché et supprimé, et le répertoire du et l'utilisateur aussi. Ça, c'est la façon de le faire manuellement. Ok, si on crée un autre encore, voilà, pour le manuel, hein, je recrée encore Toto 2. Add user. Add user sur Linux, s'il y a quelque chose qui est déjà créé, il va pas le reprendre. Ok, donc je l'ai effacé, je l'ai recréé. Donc je mets le mot de passe pour ceci, et je mets le mot de passe encore, je le confirme. Si je fais entrer, donc je vais pas mettre les informations, je mets oui, c'est bon, Toto 2 doit être créé. Et si je vais voir si Toto 2 est créé, je vais me lancer Prouty, parce que normalement Toto 2 est censé être capable de s'identifier sur une connexion SSH. Okay, pour vous montrer que Toto 2 est déjà créé sur le système, il peut venir utiliser le service SSH s'il est permis normalement. À vous de le check si la loi ou pas. Ok, on va venir supprimer Toto 2 en automatique tout à l'heure. Toto 2, ok, vous mettez le mot de passe pour Toto 2. Voilà, Toto 2 est créé. Si Toto de faire un ls ouais, Toto 2 ls de Toto 2 là, ls moins l, bon, qu'est ce qui Toto mine. Ok, si je fais un clear, vous voyez que Toto 2 est dans le système. Et si lui fait un se connecter en Toto 2, tac, et Toto 2, qu'est-ce que un ls, que vous voyez que là ça marche mieux. Si je fais exit, je suis venu étant que Toto 2 ls, ça ne marche pas pour Toto 2. Là vous voyez que là on va supprimer Toto 2, de manière que c'est la manière automatique modifier le shell de Grégory. Donc là par exemple, si je fais un cat slash etc slash passwd comme ceci, vous verrez que Grégory a le shell de bash. Donc ça, c'est le shell qui a Grégory. Donc on va modifier ça, on va mettre ça en SH comme l'utilisateur TNT ou Titi ou par exemple SKT7. Ok, donc SKT7 lui là, ce shell là. Après on va remettre en bash, vous allez voir, parce que j'aime bien le bash comme shell. Donc je fais un clear par là. Je fais un user mode par là,
The Mode, et je mets un moins S plus loin, et je mets slash bin slash sh, donc on met le shell qu'on veut par là, plus loin, et on met le nom de l'utilisateur qu'on veut que ce bash soit changé. Et la commande a été correctement entrée. Donc lorsque vous voyez ça, vous avez vu tout à l'heure, il avait du bash. Donc là, il a du sh. Donc si je fais un cat slash etc slash passwd, que a Grégory maintenant. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu que c'était du bash. Maintenant, on a le sh. Donc je vais remettre ça en bash. Pour ceci, je fais un user mode comme tout à l'heure. Si je veux, j'aurais pu rappeler la commande sur mode espace moins s plus loin slash bin slash on met le shell, donc moi c'est bash, donc pour bash, et plus loin je mets le nom l'utilisateur, que ça peut être pour vous, tout dépend. La commande s'est terminée correctement. Si je fais un cat, vous voyez que maintenant Grégory a bash comme shell. Ça aurait pu être du XNSH ou ZSH ou plein d'autres. Ok, c'est comme ça pour modifier le shell d'un utilisateur. Donc cette partie-là, c'est correct. Ok, là il y a cette commande-là, par exemple passwd, pour mettre en pause un mot de passe, en gros. Genre, on va le désactiver, c'est-à-dire qu'on va pas le supprimer. Avant de venir là, on va voir comment modifier le mot de passe, déjà pour rendre compte. Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur, la commande c'est passwd, plus loin le nom de l'utilisateur. Moi c'est Grégory. Vous faites entrer, donc il vous demande le nouveau mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe que vous souhaitez pour le mot de passe. C'est comme ça pour changer le mot de passe d'un utilisateur. Donc je le confirme. Voilà. Password updated successfully. C'est pareil hein, pour le compte route. Voilà. Bon, du coup, si je fais un clear par là, je vais. Ça va passer ce clear là. Pourquoi? Parce que je vais faire une chose. Je lance Putsy. Donc, je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait. Voilà. Si je mets le nom de l'utilisateur, oui. Entrer, il va lui demander le mot de passe que j'avais mis tout à l'heure, je le mets. Donc là je me suis connecté en SSH sur l'autre, sur la même machine, mais avec le compte Grégory. Donc il a son mot de passe crié et tout. Donc il laisse avec les comptes comme ça, là c'est un peu spécifique. Donc je peux faire OK. Si je fais PWD, c'est du répertoire de Grégory. Ça, si on veut, c'est comme ça pour modifier. Bon, déjà on a vu comment créer un mot de passe, modifier un mot de passe. Donc on va voir comment le supprimer. Là, vous avez vu Grégory tout à l'heure. Là, il s'est connecté. On va supprimer son mot de passe déjà. Je vais fermer. En faisant passe WD. En fait, le mot de passe n'est pas supprimé, hein, mais il est en stand-by. Vous allez voir, on va faire un test WD moins L, ok, puis le nom de l'utilisateur, donc créer ou oui, ok, donc ça veut dire que passe WD password expired information changed. Donc ça veut dire que le mot de passe est, il y a un fichier que je vais vous montrer. Donc après je vais voir ça. Là le mot de passe est mis en pause. Donc je fais un test avec le même compte sur Putty.
Je viens ici, je mets l'adresse IP. Donc, lorsque je vais sauvegarder cette fois-ci, parce que chaque fois, ça va être un petit peu compliqué de taper à chaque fois que c'est le même. Donc, pour ça, je mets un nom déjà pour ça va être serveur Debian pour m'éviter à chaque fois de taper la même adresse IP à chaque fois. Serveur Debian. Et je fais save. C'est là. Ok, pour la prochaine fois. Je fais open, j'ai déjà mis. Là, je vais taper Grégory. Ok. Et je mets le mot de passe. Grégory. Vous voyez que ça prend plus de temps. Hein. Déjà. Access denied. Suite aux paramètres qu'on a appliqués. On a mis son mot de passe en stand-by. Maintenant, pour remettre ceci, ça va être la commande passe WD toujours. Mais cette fois-ci, vous allez mettre moins E. Moins E et le nom de l'utilisateur. Ça vous dit le même message tout à l'heure lorsqu'on l'a remis. Parce qu'on avait mis en standby, donc là on l'a remis en place. Ça lui dit information changed. Donc, si je refais la même chose ici, mais cette fois-ci, je peux faire la même procédure. Ok, putty. Mais je vais taper sur le serveur direct. Des fois, vous voyez que j'ai pas tapé l'adresse IP. Je mets Grégory. Tac, et je mets le mot de passe. Vous voyez là, je me suis connecté étant que Grégory. Et si je fais un peu WD, vous voyez. Or que tout à l'heure, vous avez vu, on était bloqué. Donc je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Please. Bon, là cette partie-là, c'est bon. Vu qu'on modifie le shell. Et pas mal de choses. Donc je pense qu'il est temps de passer au groupe, mais il y a un endroit, si vous voulez voir le mot de passe et TC Shadow en fait, la liste de mots de passe en fait. Je vais pas le lancer par là parce que je me pose pour le. Je vais le lancer plutôt sur celui-là. D'accord. Je vais passer à grand chose parce que les mots de passe là sont cryptés. Donc c'est tout. Donc 4, moi je vais pas modifier, donc je utilise 4. Donc etc. Shadow. Shadow. Et boum. Vous avez, par exemple, Titi, son mot de passe. Donc là, moi, je comprends rien. Donc, moi aussi, hein, donc, voilà. En team des idées. Tout ce qui est crypté, là, c'est leur mot de passe. Mais c'est pas celui-là. Hein. C'est pas celui-là du tout. C'est juste que, c'est ce carré tout ceci. Donc là, c'était pour le fun. Mais, ça ne sert à rien pour moi. Bon après, voilà, tout dépend. Vous avez celui-là, par exemple, foot quand même. C'est affiché, mais il y a d'autres qui n'ont même pas affiché. C'est comme ça pour les visiter, ce fichier-là, si vous souhaitez. Mais moi, ça ne me sert à rien. Parce que pour aller trouver un mot de passe dans tous ces caractères-là, c'est complexe. Donc, les groupes. Les groupes. Le groupe, par exemple, on a créé des utilisateurs, on a effacé des utilisateurs. Maintenant, pour créer des groupes, on peut dire que c'est des groupes utilisateurs. Quand on peut créer un groupe, on met plusieurs utilisateurs dans un groupe. Puis, administrer tout ceci, tel groupe T, groupe T, ou groupe T, chose qu'on va faire là. Déjà, pour voir le groupe d'un utilisateur, étant ici, pour faire le groupe, pour voir le groupe, dans quel groupe un utilisateur se trouve. Vous faites le groupe. Donc, cet utilisateur SKT1, il a l'autorisation du contrôle. Il fait partie en premier lieu de son groupe primaire. Ok? C'est dans son groupe primaire. Donc, par défaut qui lui a été créé par Linux. Donc, on n'a pas encore vu comment créer un groupe. Là, nous allons voir ça. Mais pour, déjà,
GETNT, pour lister le contenu d'un groupe. Ok, donc on met groupe du banc. On met le nom du groupe qu'on veut. On va voir qui est dans ce groupe SKT1. Ok, qu'on a vu là. Ben, vous avez déjà lui-même. Ok, c'est l'utilisateur qui a été créé. Là, il n'y a personne dans ce groupe. Personne dans ce groupe. Je peux aussi dire, par exemple, que je veux venir lister le contenu du groupe Grégory, donc l'utilisateur que nous avons créé tout à l'heure. GNT groupe. Tout ça, ce sont des groupes qui sont créés par défaut par le système. Donc, on va voir comment créer un groupe tout à l'heure. Aussi, dans ce groupe Grégory, là, c'est l'ID du groupe. Là, c'est l'ID du groupe. Mais il y a l'utilisateur Grégory. X groupe. Ne vous inquiétez pas du groupe du X là. Voilà. Ça. Ça. Ce sont les groupes. Maintenant. Pour créer un groupe sur voilà ce groupe là, on va dire que cet ID là était fourni par le système. On va créer un groupe en faisant add group ou groupe add aussi, tout dépend si vous utilisez du Debian. Donc tirer GID, là on va lui donner l'ID. Là il a un ID un ID 1081 par exemple. Ok, et on va mettre le nom du groupe. Le groupe qui va être Tech1. Il faut entrer. Tech1 déjà créé. Je vais mettre Tech2. Voilà. Non, Tech2 sera déjà créé aussi. Pourquoi? Parce que Tech1, c'est un utilisateur du système. Ok. Donc, il a forcément, il a son groupe. Ok, maintenant, si il faut que je trouve quelque chose qui est bon. Tech it. Donc on va mettre tech-it. On peut mettre les it en mode comme ceci, pas IP mais it. Ok. Donc le tiret n'aime pas trop. Ok. Donc il va falloir que je. Donc 5. Ok, tech-d55. Là, vous voyez que. Le groupe a été créé avec son ID. Bon, c'est toutes les façons de vous montrer comment créer ce groupe là, parce que comme ça aussi vous apprenez certaines choses, certains paramètres, par exemple les majuscules, le tiret, Linux n'apprécie pas. C'est ce qui vient de m'être arrivé. Donc c'est la commande. Là, on a créé le groupe. On a décidé de lui donner un ID. Voilà. Si je vais dans le fichier de Japon en majuscule 4. etc. Ça c'est le fichier où contient les informations sur les groupes. On va voir les groupes qui sont créés sur le système. Déjà, j'aurais dû commencer par ça. Ok, parce que vous faites entrer, vous avez le nom des groupes. Ok, tout ça c'est le nom des groupes. Grégory, donc c'est l'utilisateur. Voilà. Le groupe route, bon voilà, son groupe lui. Et le groupe qu'on vient de créer là, qui est Tech255, le voilà. Voici l'ID qu'on a décidé de lui donner. Ça, ce sont des utilisateurs. Mais je vais voir, j'avais d'autres groupes qui sont créés par exemple. On va en créer. Ça, la plupart des groupes qui sont là. Ouais, je pense que
va falloir que je me groupe devant aussi. Parce que là, c'est un peu compliqué. Comme moi, je le fais, je sais que c'est un groupe que j'ai créé. Mais sur Linux, comme lorsque vous créez des... Comme lorsque vous créez des utilisateurs, bien, un groupe est créé pour lui aussi. Donc là, c'est comme ça pour créer un groupe. Si je veux lister, vous allez voir que il y a des choses qui sont un peu bizarres sur Linux. Vous pouvez mettre des groupes dans des groupes aussi. Si je fais un GTNT, je mets un groupe. Et puis plus loin, je mets le nom du groupe tech. Ça, c'est pour lister les membres d'un groupe. Donc vous voyez qu'il y a lui-même déjà qui fait partie de son groupe à lui. Avec son ID, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, je peux faire un clear. Clear. Là, je vais vous concentrer surtout. Si je veux faire un, pour vous montrer, l'histoire des groupes, on va voir comment rajouter un groupe tout à l'heure. Et un membre dans un groupe tout à l'heure. Groupe, plus loin, on va mettre CharlenTech. On sait qu'il y a un utilisateur CharlenTech qui est créé sur cette machine. Là, le temps, il y a déjà CharlenTech lui-même, avec son ID. OK. Et CharlenTech 1, SKT1, ça, ce sont les membres de ce groupe. Donc ça, c'est comme ça pour lister les membres d'un groupe. Je voulais voir quels sont les membres déjà. Mais par contre, on va voir. Là, il y a déjà deux membres dans ce groupe. Ok, maintenant pour créer un groupe du système. Là, on a vu comment créer un groupe basiquement. Maintenant, on va voir comment créer un groupe du système. Après, on va passer à autre chose. Parce que pour créer un groupe du système, c'est la même commande. Add group. Add group. Par contre, cette fois-ci, plus loin. Retirer, tirer, système. Système. Plus loin. Tirer. JD. Pour lui donner un ID, en fait. Et je mets son ID. Qui va être, donc, puisque c'est un truc du système. On lui donne un peu le droit. Aussi, c'est un ID. Hein. Donc, ok. Donc, je lui donne cet ID-là. Et je mets son nom. Qui va être... qui va être... Charlentec. Ok. Ceci, je lui ai donné son ID. Je ne peux plus le créer comme ça, le système. Le système lui a donné un ID. Il me dit que Charlentech existe déjà. Parce qu'il y a l'utilisateur Charlentech, donc il y a son groupe qui est créé. Donc je veux mettre, par exemple, Charlentech tuto.
Ça, il ne peut pas me dire que c'est autre chose. Là, il m'oblige de me dire que c'est bon. Ok? Parce que celle-là, j'ai pas encore créé du setup pour ça. Voilà. Là, je vous prie de vous abonner si c'est pas encore fait. Et si je fais un G TNT, et puis je mets groupe. Non, bon là c'était pour lister, non je vais pas lister, je vais plutôt aller dans 4 slash etc slash groupe. Vous allez voir que le groupe Challenge Tech Tuto est là avec son ID qui nous. Voilà, vous aurez pu faire par exemple là un groupe, hop, add groupe, et on met quelque chose, tuto 2, tuto 2. Donc ça, c'est un code, comme ça aussi ça va fonctionner, mais là, vous aurez l'ID qui va être par défaut, là, c'est fait, bon, là, on a son ID, et 1027. Si je fais, je retourne dans le, voilà, pour, sans ajouter de paramètres supplémentaires, voilà. Cet ID-là, je l'ai pas mis, c'est automatiquement. La façon que je vais vous montrer, c'est comment, déjà, pour cette façon-là, pour aussi mettre l'ID du groupe, lorsque vous le créez, c'est comme ceci. Et si je fais un GT, NT, puis je fais un groupe, ce que je voulais faire tout à l'heure, Charlene Tech Tuto, comme ceci. Ben, il y a lui qui fait partie du groupe. Donc ça, c'est comme ça pour créer un groupe. Maintenant, il faut que créer les groupes, c'est une partie. Maintenant, pour ajouter des utilisateurs dans un groupe. Là, vous voyez, j'ai listé Challenge Tech Tuto. Il n'y a personne. Il n'y a que lui. Pour l'instant, ce que j'ai fait ceci, il n'y a personne. Je vais venir prendre Grégory, je vais venir mettre dans Challenge Tech Tuto. Ce que je vais laisser tout à l'heure, vous allez voir que Grégory apparaît dans la liste des membres du groupe Challenge Tech Tuto. Bon là il n'y a que lui, c'est normal, il peut être membre de lui-même. Ok, pour ce faire, donc je vais nettoyer un peu, et c'est donc du coup c'est add group et add user, excuse-moi, add user, on met le nom. Je vais faire ceci. Le nom de l'utilisateur, ok. Plus loin, vous mettez le nom du groupe que vous souhaitez le mettre. Ok, donc lui, on fait un peu ceci et je fais entrer. Donc, ça nous dit que ajouter l'utilisateur Grégory au groupe Challenge Tech Tuto. Donc, c'est comme ça pour ajouter un utilisateur dans un groupe. Bon, tout à l'heure, on va voir comment ajouter un utilisateur dans plusieurs groupes en même temps. TGTENT groupe. Ok, puis je mets Charlene Tech Tuto. Vous verrez que Grégory fait partie de Charlene Tech Tuto. Voilà. Ok. Vous voyez que Grégory maintenant fait partie de ce groupe. Mais je vais vous prendre un exemple. Vous voyez que maintenant Challenge Tech Tuto fait partie, et Grégory fait partie du groupe Challenge Tech Tuto. Mais il aurait pu bien être membre de ce groupe. Alors ce groupe-là, TN2
ce groupe-là, tuto 2, ok, mais sauf que je ne l'ai pas encore mis dans ce groupe-là. Tuto 2, il n'y a que tuto 2, il n'y a pas Charlente et Grégory. Pareil, il faut voir dans Charlente, qu'est-ce que je l'avais mis. Si je l'avais mis, je vais voir. Il n'y est pas aussi. Et Challenge Tech 1, il n'y est pas aussi. Donc, on va venir ajouter, par exemple, Grégory dans Challenge Tech et Challenge Tech 1 en même temps. Et puis aussi, il peut être dans le groupe de plein. Par exemple, on va le mettre étant que dans le groupe. Bon, route. On va voir après. On va tester avec route. Mais c'est que sur route c'est délicat comme canton. Du coup c'est pour ça que j'ai pas trop avancé. Mais je sais que de toute façon on va le faire. On va le faire avec d'autres comptes. Ok, pour ceci c'est plus de faire un user mode par là. User mode lui, il sert à pas mal de choses. A moins A et puis moins grand G. Ranger, et puis on va dire qu'il faut qu'il soit dans son minuscule, il faut qu'il soit dans Charlene Tech, puis on met un virgule, là on intègre un utilisateur dans plusieurs groupes, il faut qu'il soit dans Charlene Tech 1, excuse-moi mais on met un virgule, vous mettez le nombre de groupes que vous souhaitez. User mode tiré A minuscule, plus loin grand G, tiré grand G, et le nom des groupes. Groupe route aussi. Comme ceci. Si je peux, je peux le mettre dans le groupe de R1. Je mets le virgule. Si je peux, je peux le mettre dans le groupe de... Bon, elle est déjà dans... Je vais le mettre dans le groupe du tuto 2 par exemple. Ok. Et je mets le nom de l'utilisateur. Ça, c'est primordial. Le nom de l'utilisateur. Donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît. Et la commande est terminée. Si je fais dans le compte de Charlene Tech, là vous avez vu que tout à l'heure il y avait. Voilà. Charlene Tech. Voici les listes qu'il y avait. Il y avait lui-même Charlene Tech 1 et il y a SKT1. Et là, j'ai rajouté Grégory qui va figurer aussi ici. Si je fais un je ne sais pas comment, si je fais un GETENT, plus loin groupe, plus loin je mets Charlene Tech, vous avez Grégory qui figure. Ok, je le rajoute en même temps. Si je fais, parce que Challenge Tech 1, c'est pas trop loin de Challenge Tech, vous avez aussi Grégory. Si je fais, je garde la même GETENT groupe, pas groupe, mais groupe. Plus loin, je mets route. Qu'on a mis dans le groupe route, on voit. Il y a Grégory qui figure aussi dans le groupe route. Et si je dis tuto 2 aussi, c'est vrai que je l'ai rajouté en même temps. Parmi en même temps. Des groupes. Ensuite, je veux dire que le groupe c'est tuto 2. Voilà. Et puis tuto 2 n'est pas trouvable. C'est bizarre. Oups. J'ai eu. Voilà. Il y a une erreur sur la commande. GETENT
NT, il n'y a pas E. C'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Là, vous voyez qu'il y a Grégory qui figure aussi. Mais là, je l'ai rajouté en même temps. Donc, cette partie est... Bon, on a vu comment créer le groupe du système aussi. Hein. Ok. On a vu comment créer le groupe du système. Peut-être comment pour ajouter, supprimer par un utilisateur d'un groupe en fait. Donc je sais pas encore montrer comment supprimer un groupe, on va voir tout à l'heure. C'est pas trop compliqué. Des losers pour, bon, je vais faire un clear parce que nous c'est un autre chapitre. Là vous avez tous les groupes où appartenait Grégory, y compris celui-là. GTNT groupe. Toad, il était là, donc on va l'enlever de là, ok, en faisant tel user le nom de l'utilisateur, par exemple c'est Grégory, plus loin le nom du groupe, ok, qui est normalement tuto 2. Donc on a dit il faut m'enlever Grégory du groupe tuto 2 parce qu'il était là. Là on a vu qu'on a listé, ça nous a mis qu'il y a comme membre Grégory. Donc là si je vais dire que je fais un T-E-N-T, plus loin je vais dire que groupe tuto 2. Vous voyez qu'il n'y a pas Salin Grégory. Donc c'est comme ça pour enlever un utilisateur d'un groupe en fait. Ok. Donc c'est pas trop compliqué. Et si je veux complètement supprimer ce groupe, ok, donc je peux lui dire que c'est tel groupe, tout simplement. Hein, tel groupe, et puis le nom du groupe à supprimer, ça va le supprimer. Donc je pense que j'ai vu pas mal de choses en fait concernant donc groupe mode. Bon, ouais, on va faire déjà renommer un groupe, ok, ensuite on va voir pour changer son ID en fait. Donc on va renommer tuto 2 par exemple pod espace n tuto 2, on va le mettre à l'envers 2, plus loin tuto 3 et tuto 3 pourquoi ça. Okay. Si je mets tuto 3 par là, je mets tuto 2 par là. Ah, ok. Ben, je sais pas pourquoi il me l'avait pas pris tout à l'heure, mais là il me l'a pris. Ok. Là, normalement, tuto 2 est plus censé s'appeler tuto 2. Que si je fais un 4 pour aller voir. ETC groupe, vous allez voir, les fichiers de les groupes, voilà, tuto 3. Ici, normalement il y a Grégory, GET, NT, tuto 3. Donc l'espace est coulé. Tuto 3 est là. Pourquoi? Ah, il me groupe devant. Ah, ouais. Le tuto, il commence à être... Ok, ok. Ben, ok, il n'y a que tuto 3. Ok, il nous a viré Grégory à l'intérieur. Donc là, il faudra juste le réintégrer.
Si je fais, je rebalance la chose. Je mets tuto 2, tuto 3. Donc ça, c'est juste un test, hein. De rien du tout. Et si je fais tuto 2 maintenant, ouais, il me les a virés. Donc du coup, en changeant le nom, vous virez les, voilà, les membres là vont sortir automatiquement. Vous avez vu que ce que j'ai vu, ce que j'ai fait mieux. Si il y avait Charlène et Grégory étaient dans tuto 2. Oui, je l'avais mis. Donc je me rappelle bien que je l'avais mis. C'est même pas la peine. Je l'avais mis. Donc vous avez vu, pour être sûr, je vais. Non, il y était. Et on va voir dans. On fait voir R1. Oh, je peux vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Groupe R1. Oui, il y est là par contre. Et si je vais pour venir modifier R1, vous avez vu que là qu'il y est, hein? Si je fais un groupe mode, plus loin, tirer N, par exemple, on va mettre R. 2. Plus loin, je mets R1. Ok, donc on a renommé R1 en R2. Et si je fais un 4, juste pour le vérifier. Non, il va trop me choses. Donc je fais un G TNT. Plus loin, groupe. Le groupe R2. Non. Ok. Donc je crois que ok, Grégory n'était pas dans tuto 2 alors. Parce que là je viens de faire la même chose. Il m'a gardé. Et Grégory son membre. Donc ça va, hein, c'est pas. Si je fais R1 maintenant. Alors déjà, R1 n'existe plus. R1. Déjà, ouais, R1 n'existe plus. Parce que je viens de modifier son nom là. R1 est devenu R2. Donc là, c'est OK. Donc là, c'est des petites manip. Vite fait. Donc ça, c'est au niveau de management des groupes. Voilà. Bon, là, pour le groupe, par exemple, pour modifier l'ID. Donc je pense que c'est la dernière opération. Non, pas forcément la dernière. Je vais venir faire celle-là ensuite. Il y a une opération pour vous montrer que l'on ne peut pas supprimer un utilisateur de son groupe personnel. User. Tel user. Grégory. Grégory, plus loin, Grégory. Ça nous dit, impossible de retirer un utilisateur de son groupe primaire. Donc c'est là que ça joue. C'est à ce niveau-là que ça joue, au niveau de groupe primaire et secondaire. Ok, donc là, j'ai voulu l'enlever du groupe Grégory, parce que Grégory, c'est son groupe. Maintenant, si je veux l'enlever du groupe route, si je fais la même commande, sauf que si j'enlève Grégory ici, je mets route, ça va le faire. Pourquoi? Parce que Grégory, c'est le nom d'utilisateur, mais comme par défaut, Linux crée un groupe qui s'appelle Grégory, donc j'ai voulu le supprimer. Donc au lieu du route, j'ai mis Grégory. Il a dit non, c'est pas possible. Et là, ça nous fait suppression d'utilisateur Grégory du groupe route. Et si je fais un,
GTN, je vais le remettre parce que j'aime bien. Il faut qu'il a l'autorisation groupe chez l'utilisateur. Des groupes. Groupe route. Oups, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, il y a un N de plus là. Voilà. Donc, il n'y a pas d'utilisateur à part que route. Donc, moi, je vais le remettre. Add user. Loin Grégory. Dans le groupe route. Voilà. Et là, si je peux en gérer de NT. Et je mets route. Et je vais NT. Groupe. Route. Là, j'ai Grégory. Bon, c'est correct. Donc, j'ouvre. Bon. Voilà. Dernière opération que je vais faire dans ce tutoriel. Je vais vous montrer comment renommer un groupe et changer son ID si demandé, si besoin. Ok? Donc, du coup, on va prendre un groupe par hasard. Je vais faire un 4 plus loin. ETC slash groupe. Ok. Vous avez vu quel groupe que j'aurais pu renommer? Quel groupe? De toute façon, là, vous avez les groupes et les membres. Hein. Vous pouvez aussi voir les membres techniques de plus. Vous pouvez voir les membres d'un groupe en faisant 4 à partir du moment qu'il a des membres. Déjà là, vous voyez que ce groupe-là vous affiche déjà ses membres. Déjà lorsque vous faites les 4 TC. Voilà. Comment je dirais ça? On va prendre IT 2. IT 2 avec son ID 2019. Donc on va changer. On va déjà renommer le groupe d'une part, ensuite venir changer son ID. Vous verrez comment ça se passe. Vous voyez que ça s'appelle ITD. IT2. Ok, donc pour ce fait, il suffit de faire un groupe mode. Par contre, la commande qui va permettre de faire ça, c'est groupe mode. Plus loin, vous mettez tiret N minuscule. Vous mettez le nom que vous souhaitez donner. Donc, on va mettre IT. IT 97, IT 509, on va dire 509, tout simple. IT 509, on veut renommer IT 2 en IT 709. Plus loin, on met par contre le nom de groupe en question. Donc, du coup, IT 2. Ok, et là vous faites entrer. Aussitôt que vous faites entrer, si vous faites un 4 pour aller voir si ça a changé déjà le nom. Déjà, là, si vous regardez, là, il n'y a pas IT 509. Que si vous regardez dans le thème de groupe, j'ai pas encore créé IT 509. Donc, etc. Slash groupe. Moi, j'ai renommé IT 2 en IT 509. Donc, voilà. Ok. Voici comment renommer un groupe si demandé. Donc, vous avez vu que, bon, là, si vous cherchez IT 2, vous n'allez pas le retrouver, puisqu'il est renommé. Vous allez trouver du test 2, mais pas IT 2. Donc, pour changer l'ID qui est de 1019, c'est la même chose. Commande de groupe, bon, pas la même chose, mais groupe mode, comme ceci, mais cette fois-ci c'est un tiret G. Donc un tiret G, et vous mettez l'ID que vous souhaitez. Donc je vais le mettre à 1087. Ok, là vous voyez que son ID est 1019, 1087, et je mets le nom du groupe en question, donc qui est IT 609.
un jour pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. À bientôt. Donc aussitôt que vous faites entrer, et si vous rappelez la commande 4 groupes, et vous verrez que Haïti 609 et voici son ID qu'on a mis, 1087. Ok, donc ciao, bye bye, c'était tout pour ce tutoriel. Donc c'était de l'administration de Linux. Donc j'espère que vous vous êtes abonné et que vous avez partagé cette vidéo. Puis à bientôt pour d'autres connaissances dans l'informatique.